Incontournable de la diaspora camerounaise aujourd'hui et même africaine, Pascal Pierre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il va nous rafraîchir la mémoire parce que bien entendu, c'est vraiment un personnage des médias. Bonjour Pascal Pierre. Bonjour Chérie. C'est vraiment un plaisir, un privilège même, je dirais, pour moi de te recevoir dans ce magnifique cadre de l'hôtel Pullman à Toulouse. Merci, merci, c'est un plaisir partagé. On se voit aujourd'hui en fonction de l'événement qui vient de se dérouler avec le groupe Pux Malaya le 6 avril dernier, où tu étais le master of ceremony. Dois-je dire ça? C'est un événement qui m'a marqué parce que c'était quelque chose d'assez magnifique. C'est la première fois au stade de Toulousain. Un événement qui, avant d'y arriver, j'avais quelques appréhensions. Mais au vu de l'engouement, du public, de l'enchaînement des séquences, c'était quelque chose de bien, vraiment bien. J'espère que les uns les autres, ceux qui ont vu les images, ont apprécié. Oui, on a de bons échos, c'est vrai. En tout cas, moi, j'ai essayé de faire mon boulot. Toujours aussi bien. Aujourd'hui, nous sommes à 20 ans, j'ai envie de dire, d'une carrière très riche dans le milieu des médias. Je suis vraiment honorée. Je suis un papy, hein, je deviens un papy. Mais non, quand même. Alors, pas. Bon, l'avantage peut-être pour moi, c'est le temps. Oui. J'ai commencé tôt, j'avais 20 ans à peine. Mm-hmm. J'ai eu la chance d'arriver dans ce monde des médias par un concours de circonstances. Mm-hmm. Je n'y suis plus. Et 20 ans après, j'y suis toujours, hein, la quarantaine déjà. Mm-hmm. Et comment on en arrive à se tenir une cause comme celle de l'éveil solaire? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie souvent, que tu as dû voir ou que tu as pu porter au niveau associatif? Je fais beaucoup d'événements. Mm-hmm. Hein, je suis un peu au quotidien dans l'événementiel. Mm-hmm. En marge donc de mes programmes de télé, je tiens à rappeler aux uns aux autres que je suis producteur, présentateur. Mm-hmm. Mm-hmm. D'un programme sur la première chaîne panafricaine en France, Télé Sud. Et de ce fait, il arrive que je sois sollicité pour des actions, pour des événements, notamment à caractère humanitaire, hein, comme celui dont on parle, hein, l'éveil solaire. Et oui, il m'arrive de le faire. Allez, avec des salaires humanitaires aussi, des cachets, je veux dire. C'est sûr qu'il faut être bénévole toujours un petit peu. Oui, oui. Oui, c'est quelque chose qui me porte, hein, qui m'attire le plus, c'est de pouvoir participer à l'édification de quelque chose. Quand je pense qu'au-delà, il n'y a pas que de l'argent. Hein, il faut toujours donner un peu de soi sur ces événements-là, ce genre de circonstances. Oui. Alors, comment, parce qu'on parle de la CRTV, qui est un média national, le premier média national camerounais, pour les médias pan-africains, pourquoi on a envie de partir, de s'expatrier, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu ça qui permet, qui fait aujourd'hui. Non, je pars de la CRTV parce que j'ai envie d'apprendre. J'ai le souci de progresser. J'arrive, j'ai pratiquement 19 ans à la radio, à la télévision, et j'ai envie de continuer à faire mes études. Et j'en avais un peu marre de tourner en rond. J'étais au sommet de mon art à 22 ans et demi. Et on m'a conseillé donc de partir à ce moment-là pour chercher à acquérir un peu plus d'expérience. Voilà, un peu plus de connaissances. S'ouvrir vers le monde pour apporter un plus aux Camerounais, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est pas ce qui se passe. Oui. C'est ce qui se passe. Est-ce qu'il y a justement des jeunes qui te sollicitent pour des conseils ou des pistes par rapport justement à ton expérience? Oui, il y a plein. Oui, ça fait 10-15 ans que les uns les autres viennent vers moi. Il y a une génération qui a grandi, qui s'est fait une idée, qui a fait le métier. La plupart des journalistes aujourd'hui, ils ont découvert le métier de présentateur à travers moi, parce que j'incarnais la jeunesse. Je suis le premier jeune à avoir pris les rênes d'une émission à succès à l'époque. Et il y a toute une génération qui a grandi avec cette idée-là de devenir les Pascal Pierre de demain. Ils sont devenus, ils sont allés, ils ont fait des concours dans les écoles de journalisme en France et même au Cameroun. Ils sont des très très bons journalistes
à ce jour, et je suis fier de cela, d'avoir impulsé quand même quelques-uns. Voilà. Quelques graines ont poussé depuis, j'imagine. Oui, oui. Bon, ben, l'Event sur l'Arbre se donne aussi pour vocation d'accompagner des jeunes désœuvrés, des jeunes à scolariser. Donc, admettons que demain, un de ces jeunes te contacte, il dit « je veux venir à Paris, je veux entrer chez 3 ateliers de sucre », qu'est-ce que tu pourrais faire pour un jeune de ce type? Ah ben, je pense que c'est déjà l'action de cette association, c'est de favoriser l'instruction d'abord de cette jeunesse désœuvrée, et notamment, je pense que si mes souvenirs sont bons, notamment les jeunes filles, et bien, c'est parce qu'on a des actions comme ça que demain, tout passe par l'apprentissage, tout passe par la scolarisation. C'est l'avenir du Cameroun et l'avenir de l'Afrique qui passe par ce domaine-là. Si un jeune venait à me voir, bien évidemment, j'espère que j'aurai d'autres fonctions, que je pourrai décider de pouvoir aider encore un peu plus cette jeunesse-là. Oui. Je te l'accorde, j'espère bien aussi. Et bientôt de retour au Cameroun pour le cinquantenaire des jeunes. Alors c'est le deuxième cinquantenaire. Celui-ci, il est particulièrement intéressant parce que c'est le cinquantenaire de la réunification des deux Cameroun. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais y retourner parce que j'ai participé au premier cinquantenaire de l'indépendance. Le ministère de la République m'a sollicité une fois de plus, dont sur le volet artistique, j'aurai la responsabilité de manager un certain nombre de choses. Mais comme cela, je vais rentrer dans l'histoire. N'est-ce pas? Il est toujours là où il y a les bons événements. Ouais. Donc, au-delà de ce cinquantenaire, des projets dans le futur beaucoup de à projets. Nous dire? Oui, non. Bon, j'en garde un peu plus. Parce que, bon, à trop parler de ces projets, finalement, on s'en est fait piquer. Voilà, c'est pas souvent prudent. Oui, beaucoup de projets dans l'événementiel, les médias, le Cameroun, le retour. Aux sources, à la CRTV avec des productions, je n'en dirai pas plus. Oui. Et puis bien plus tard, il y a toujours ce soupçon-là, c'est de dire, tiens, est-ce qu'on n'est pas tenté de faire de la politique un peu plus tard? Bien je sûr. Me disais que la cinquième page de ma vie sera essentiellement politique, parce que je voudrais être dans l'action. Super. La diaspora qui aide n'est pas que pour des personnes qui restent en France, c'est aussi pour cette diaspora qui souhaite retourner dans le pays d'origine, continuer d'œuvrer et d'innover. Merci beaucoup pour cet entretien et ces confidences. Ben c'est moi, et puis je voudrais saluer le professionnalisme de Soé. Merci, merci Pascal Pierre. C'est un honneur pour moi parce que, comme je vous le dis, c'est vraiment une anthologie dans le monde des médias, et si j'ai son soutien, je me porte bien. À très bientôt sur HD Help Diaspora.